Situation en confusion dans le gouvernement Martelly Lamotte là. Responsable affaires politiques dans le cabinet ministre conditions femmes et droits femmes, Dieudonné Lérisson, qui t'est fin annoncé dans le mi-temps journée jeudi, sur antenne radio Kiskeya, démission Yannick Mézil, relé station en quelques temps après, pour retourner sous déclaration l'an et puis faire qu'on a, ministre l'a envisagé pour remettre démission, mais jusqu'à présent, il continue à exercer fonction, il était même dans le bureau de travail. Monsieur Lérisson, qui était paraître embarrassé par rapport à la première déclaration l'an, ajouté, en attendant, il finit étudier possibilité pour décision confirmée ou bien infirmée, Yannick Mézil pour qu'on voie aucune lettre par le premier ministre là, Laurent Lamotte. Avant ça, même cabinet particulier ministre là te fait connait madame Mézil te à l'école à cause chef gouvernement pas appuyer politique li te vle mettre sous pied pour améliorer conditions femme yo dans pays ya. Suivent deux déclarations Dieudonné Lérisson yo dans micro Amos Bréville. Et ça me ka di ou c'est que la ministre est démissionnaire. La ministre est démissionnaire. Que à cause constater que gon manque de solidarité de la part du premier ministre pour faire avancer la cause des femmes. Lui, démissionnaire, et n'a pas capable de faire tout détail après une heure de temps. Samuel Kadib, la ministre est à son bureau. Jusqu'à présent, à ma connaissance, aucune lettre de démission n'a été adressée au premier ministre. Toutefois, il faut attendre. Je ne suis pas en mesure de confirmer pour qu'est-ce qu'il y a la démission de la ministre à la condition féminine. Oui, mais monsieur Lérisson, la ministre est démissionnaire, c'est ça, t'as dit. Je reprends la ministre. La ministre, étant donné qu'elle avait des dossiers sur lesquels elle réfléchit, des dossiers qui concerne l'émancipation de la femme haïtienne, l'autonomisation des femmes vivant en milieu rural, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, c'est des projets qui sont prioritaires pour l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte. C'est des projets que la ministre tient à cœur, mais étant donné qu'elle fait face à d'énormes difficultés dans l'exécution de ses projets, elle a fait des réflexions sous-entendues, mais elle n'a pas donné encore sa démission, elle est à son bureau. Oui, mais monsieur Lérisson, côté ça sorti que j'ai entendu tout à l'heure que la ministre est démissionnaire. C'est ça qu'on dit Jean bouleversé nous. De toute façon, Amos, je pense que en tant que journaliste, je pense que une nouvelle comme ça, avant pour ta baili, faut que tu gagnes une lettre, copie lettre démission ministre là. Monsieur Lérisson, vous pas yon connu de la place. Avant de il faut attendre pour infirmer ou confirmer cette nouvelle. Mais monsieur Lérisson, entendez bien. Pour la première question, je me pose là, est-ce qu'on est en mesure pour confirmer pour moi si le ministre a démissionné? C'est ça, ou du moins la ministre est démissionnaire. Et deuxièmement, les avons ou sont responsables politiques dans le cabinet ministre là, c'est-à-dire qu'on est en mesure pour être capable de confirmer pour moi s'il démissionnait ou pas. De toute façon, c'est pas une possibilité à écarter. C'est pas une possibilité à écarter, mais je vous dis qu'elle est à son bureau, qu'elle est à son poste. Des possibilités tout pour le tourner sous décision. Je vous dis que et il faut comprendre. C'est une femme d'État. C'est pas des décisions que le papa prend avec légèreté. Ok. Donc et important pour moi de dire, dans le moment qu'on a parlé là, elle est à son poste. Gouvernement Martelly Lamotte là, qui déjà fait face à plusieurs démissions, peut-être réagir officiellement jeudi soir sous dossier Yannick Mézil là.